Bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 14 avril 2017 et ce soir nous accueillons Monsieur Harry Audebourg. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, un grand merci. Vous avez dû franchir encore des barrages existants ce matin pour venir nous rejoindre. Donc, un grand merci de la part d'ATV. Comment vous sentez-vous après vos 10 journées de grève de la faim? Je me sens bien. C'était pas la première fois que je jeûnais. J'ai bien géré, de toute façon. C'était quoi l'objectif? Je buvais de loin, donc j'étais hydraté. Je me sens bien puisque j'ai recommencé à m'alimenter depuis 24 heures. L'objectif, c'était de faire appel aux forces de l'esprit pour qu'elles jettent un œil sur la Guyane. Je crois aux forces de l'esprit, donc qu'ils apportent à la fois la sagesse au gouvernement pour faire plus pour la Guyane et aussi la sagesse à nos négociateurs pour être bons pour obtenir plus. Mais ce n'était en aucun cas un chantage sur l'État Vous avez été clair dès le qui n'en début. a rien à faire de moi. Je n'étais pas en train de dire si vous faites rien, si vous donnez 23 milliards, je vais me laisser mourir. Mon sort n'intéresse personne. Donc c'était une Alors, démarche personnelle. d'accord. Au départ, vous étiez à fond pour le mouvement, vous avez soutenu le mouvement, et aujourd'hui, vous arborez un t-shirt avec les barrages, nous bonquer ça. Pourquoi? Alors, il y a revendications et mouvements. Il faut faire la différence. Tout le monde est pour les revendications. On est tous conscients des carences de la Guyane dans tous les domaines. Je ne vais pas les énumérer, mais bon, pour parler des principaux, comme on dit souvent, la sécurité, l'éducation, La l'économie, la santé. santé, voilà, etc. Donc, il fallait une mobilisation. Mais aujourd'hui, on a pris langue avec le gouvernement pour mettre un processus de certaines choses qui seront actées, même si pour des raisons législatives, ça ne peut pas être fait tout de suite. Mais il faut être conscient que la forme de mobilisation par les blocages actuellement porte préjudice à la Guyane. Donc aujourd'hui, oui, on pénalise en quelque part la Guyane et sa population, c'est votre point de vue? Oui, absolument. On a dans ça, à mon avis, une triple faute. Premièrement, en termes stratégiques, s'il fallait bloquer 2, 3, 4 mois, en étant sûr qu'à la fin, on aurait 3 à 4 milliards, ce serait bien. Mais aujourd'hui, personne ne peut argumenter concrètement pour m'expliquer qu'en faisant des barrages, finalement, le gouvernement va faire un geste Surtout un gouvernement qui part. qui part. Donc ça c'est le problème. Alors j'entends dire, oui, mais peut-être que l'ennemi, déjà je ne sais pas que l'État c'était l'ennemi, est sur le point de céder. Donc ce serait dommage de s'arrêter maintenant, parce que peut-être que du jour au lendemain, il va donner les 3 milliards. Ça, c'est lire dans du marc de café. Ce n'est pas vrai. Donc stratégiquement, je ne suis pas sûr que ça apporte plus. Les autres points? Oui. Ensuite, il y a un problème d'irresponsabilité et d'égoïsme. Irresponsabilité, parce que quand les entreprises vous disent qu'elles souffrent, que leurs salariés souffrent, on ne peut pas être sourd à ça. J'entends des gens dire que oui, mais les entreprises étaient déjà presque mortes. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Un ménage, une famille a son salaire entre 25 et le 30. Eh bien, si chaque mois, elle n'a pas ce salaire-là, elle est immédiatement en difficulté au début du mois d'après. C'est pareil pour les entreprises. Les entreprises n'ont pas 10 mois d'avance de trésorerie ou de fonds de roulement. Que ce soit en Guyane ou Voilà, ailleurs donc, d'ailleurs. dès qu'il y a un mois où c'est difficile, on tire la langue après. Et donc, égoïsme, parce que tout le monde parle de la solidarité du peuple guyanais, mais ces blocages qui pénalisent les gens qui ne peuvent pas aller chercher leur pain quotidien, eh bien, les pénalisent et on est égoïste vis-à-vis d'eux. Et puis, la troisième chose, c'est une question de liberté. On bâtit la démocratie, pas seulement sur du matériel. Il faut des infrastructures scolaires, routières, tout ça. Mais la démocratie trouve aussi son fondement dans la liberté. Et là, outre le fait de ne pas avoir la liberté de circuler, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent nous enlever la liberté de penser. Il y a une espèce de pensée unique qu'on appelle une unité, obligatoire. Moi, je suis pour la grève. C'est un droit fondamental. Et si, il y a un appel à la grève générale et que les gens peuvent circuler librement, eh bien, que ceux qui choisissent de se mettre en grève restent mobilisés, mais n'aillent pas au travail. Et puis, ben, s'il y a des profs qui ne veulent pas aller travailler sans grève générale, qui n'aillent pas, du personnel hospitalier, pas de problème, ils vont perdre leur 30e quotidien. Et on va voir vraiment qui est mobilisé. Mais bloquer les gens Une et question. dire que tout le monde est derrière nous, on n'a pas de clarté sur ça. Une question rapide. Vous envisageriez-vous de déposer plainte pour votre liberté de circuler?
Mais non, parce que personnellement, la mienne n'est pas la plus entravée. D'accord. La deuxième question, vous êtes aussi délégué régional de COP21, le mouvement fondé par Corinne Lepage, donc une personnalité politique. On abordera en fin d'émission vos perspectives. Est-ce que vous regrettez le fait de ne pas avoir été associé à ces collectifs, que les politiques ne soient pas associés à ce collectif? Mais ils y sont associés. Bon, A priori, non. moi, je ne suis pas élu, donc ça ne me pose pas de problème de ne pas être associé. Bon, c'est un mouvement citoyen, hein, d'ailleurs, c'est une de nos étiquettes. Hein, COP21, Rassemblement citoyen. Bon, c'est pas tant qu'un mouvement citoyen, c'est très bien, ça a porté des Vous avez fruits. essayé d'intégrer le collectif ou pas du tout? Alors, de fait, oui, je suis dans le collectif, puisque j'appartiens au collectif Hors de Question, qui est un des collectifs associés au supra-collectif pour la Guyane décollée. Alors, Monsieur Harry Hautebourg, vous savez qu'il y a eu beaucoup de collectifs qui se sont agrégés et certaines revendications sont presque paradoxales, voire contradictoires. On a notamment une partie des sociopros qui revendiquent des facilités pour le permis minier, pour l'exploitation des ressources naturelles, et puis de l'autre, le collectif notamment Hors de Question, mais pas le seul, et je pense aussi aux communautés autochtones, qui disent non, il faut qu'on nous ayons un développement harmonieux de la Guyane. Il n'y a pas là Alors, un contradictoire? sur les autochtones, là, je vous reprends de manière très claire, Allez-y. les autochtones sont contre la mine. Non, mais c'est pour ça que je disais, Voilà, hors de question, les autochtones. oui, d'accord. Bon, Contre les déjà, sociopros. alors, sur le mot collectif, il y a un truc qui me fait bien rire. Tout le monde s'improvise collectif. N'importe quel petit groupement ou deux, trois personnes s'appelle un collectif. Collectif, ça veut dire ensemble. Nous, Hors de Question, on est un vrai collectif. Nous sommes 25 associations à l'intérieur d'un collectif. Donc, je pense que ça a plus de poids que certains micro-groupements, on va dire groupusculaires, ou qui ne représentent qu'une profession par Et donc, rapport à les la force revendications de données vos par le représentants. collectif auprès des ministères, hors de question, n'apparaissaient pas. Non, mais c'est pas très grave. Vous êtes On fait aussi notre chemin. déterminé, On fait, on est, on est déterminé et puis ça va dans notre sens de toute façon. Alors, vous étiez candidat aux législatives, le serez-vous à nouveau? Non, je ne suis plus candidat aux législatives parce que mes conditions personnelles, physiques, mentales et financières ne seront plus au rendez-vous pour que je mène ce combat. Une grève de la faim, le mouvement m'a assez bouleversé, mais je reste mobilisé en tant que citoyen dans les combats que je mène, notamment écologique, pour apporter ma petite pierre pour la Et Guyane. là, à l'échelon local, parmi les candidats déjà qui se sont déclarés, vous soutiendriez qui? Vous restez toujours dans la mouvance Emmanuel Macron? Je ne suis pas dans la mouvance Emmanuel Macron, je ne suis pas encore en marche. Bon, si je dis que c'est un candidat que j'observe avec intérêt pour la présidentielle, je fais partie de ceux qui disent qu'il ne faut pas s'abstenir. Bon, moi, ça me paraît un bon choix parmi les quatre candidats qui ont une chance raisonnable d'être élus. Et puis c'est très bien comme ça. Comment vous voyez la suite du mouvement ou de la mobilisation? Donc là, il y a potentiellement une levée des barrages qui s'observe ce matin. Comment vous envisagez les Ben, choses? C'est la dernière question. j'entends Michael Mancet crier à tue-tête qu'il faut que nous restions mobilisés dans nos cœurs et dans nos têtes, et que la mobilisation, ce n'est pas les barrages. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut que nous restions mobilisés dans nos cœurs et dans nos têtes, que nous restions mobilisés chacun où on est, c'est-à-dire dans nos entreprises, c'est aussi être mobilisé pour l'économie, dans les écoles. C'est bien beau les profs mobilisés pour les barrages, mais je pense qu'il serait plus utile mobilisés dans les classes pour faire avancer nos enfants. Et puis aussi que les gens puissent aller travailler à l'hôpital pour prendre soin de nous. Donc qu'on reste mobilisés, mais de toute façon, cette histoire de barrage est vouée à s'éteindre d'elle-même à court terme. Merci beaucoup, Monsieur Harry Hautebourg. Merci encore d'être venu en ces journées historiques. Et vous dites Guyane hystérique. Oui, tout à fait. Il y a un dérapage. On a entendu les dérapages racistes que je condamne avec la plus haute fermeté. Et je pense notamment que certains réseaux sociaux devraient faire attention sur les gens qui contribuent. Je ne parle même pas de certains médias. C'est vraiment du grand n'importe quoi. ATV est pleinement d'accord avec vous. Merci beaucoup.
Les programmes continuent sur ATV, les amis. Restez fidèles. À très bientôt. Au revoir.